où vais-je aller avec toutes ces dettes? Même le transport pour sortir de cette maison, je n'ai plus. Hé, Franco, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Allô Michel, c'est Sunita. Michel, s'il te plaît, j'ai trop de problèmes, il faut qu'on en parle. Sunita, s'il te plaît, tu tombes très mal. Moi aussi j'ai des problèmes. À plus tard. Mais écoute Michel, allô? 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 Personne ne veut plus me parler maintenant. Une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Franco, Franco. Oui, chérie. Oui. Mais avant, j'ai besoin que tu me remettes les sous que tu m'as promis en venue. Sans souci, bébé, je te fais un dépôt tout à l'heure. Un dépôt. Ok, bon, bref. Il y a des lignes dans la cuisine. Tu vas aller au marché acheter du poisson pour faire avec l'indolé qui est dans le frigo. Et aussi, s'il te plaît, mets assez de piment. Je ne veux pas revenir manger les repas fades que tu m'as fait la dernière fois. Okay. D'accord, bébé. Voilà, allez. Bon, ciao. D'accord, bébé. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé le mari. Je dis, hein. Depuis que nous sommes là aujourd'hui, on est de venir nous servir. Tu es seulement concentré sur ton téléphone. C'est quoi avec toi? Madame, tu n'es pas obligé d'attendre. En plus, ce n'est pas le seul café dans le coin. Tu peux partir ailleurs. Tu dis même ça à qui? La fille est bête au moins. Il faudra que les gens font les choses aux enfants respectables. Quand tu la regardes, tu penses qu'elle a quel objectif derrière ça en dehors des hommes? C'est la prostitution qu'elle fait. Pardon, je ne veux pas le bruit, je suis en train de travailler. Tata, les femmes assises là n'ont besoin de rien. Maria, tu es sourde ou quoi? T'es-je pas dit, je ne veux pas de bruit. Non, mais tata, tu as dit que tu travaillais, pourtant tu es seulement là avec ton téléphone. Dégage devant moi. Tu as dit que tu dois faire ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Maria, qu'est-ce que tu lui as fait? Elle n'a rien fait. C'est ta fille là. Ferme ta bouche, imbécile. Que tu permets de parler dans une affaire de famille? Hé, tu veux casser ta gueule là? Maman Choco, ta fille c'est très insolente. Moi-même. Ça fait plus d'une demi-heure que nous sommes là aujourd'hui. Au lieu qu'elle nous serve, elle nous demande d'attendre qu'elle finisse d'abord de faire sa vidéo. C'est du temps. Dans mon bureau. Maman, ce n'est pas exactement ce qu'elle t'a dit. Merde! Donne-moi le téléphone là. Donne-moi ça. Ils sont dans le cas de là. Maria, prends les commandes, on les sait. Tu l'auras quand j'aurai décidé. Et si tu t'as dit, je vais te casser ça là.
commencer pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Aimer la maman Choco, elle n'était pas. Tu délires ou quoi? Il n'y a pas de politesse chez toi. Tu l'as poussé à faire un choix entre toi et moi. Et maintenant, il dit qu'il ne veut plus de moi. Et tu espères que je fasse quoi? Que je croise mes mains et je vous laisse faire? Non, c'est impossible. Attends. Qu'est-ce que tu essayes de me dire par là? Que Roger et toi sortaient ensemble? Oui, et je n'avais aucun problème de le partager avec toi. Sauf que ça ne semble pas être le cas chez toi. Il est allé jusqu'à me proposer de lui faire un enfant. Le temps pour moi de réfléchir à cette hypothèse, qu'il revienne me dire qu'il est désolé, qu'on doit arrêter la relation. Je trouve qu'il allait très loin et je ne vais pas laisser ça comme ça. Tu peux la fermer, Sheila, s'il te plaît. Écoute-moi très bien. Personne, je dis bien personne, ne me dit ce que je dois faire. Il fallait qu'elle sache pour se préparer. Merci, chance que tu es arrivée. Merci, maman. Merci, mes enfants. Ça ne doit plus se répéter. Hein. D'accord. Ici, c'est chez vous. D'accord. Bon, maman bon, Choco, bye bye. À la prochaine. Hein. Bonne journée, mes filles. Merci. Bonjour, maman Choco. Bonjour, mon chéri Ndema. C'est comment tu es déjà là? Bien sûr. Avec ta voix au téléphone, il fallait que je vienne. Ah. Bonjour, Sunita. Tout va bien? Tout va bien, merci. Va laver les assiettes avec Maria. Assieds-toi, mon chéri. Depuis quand? Depuis quand quoi? Depuis quand tu es au courant pour Roger chez moi? Yeah. Je l'ai appris hier aussi de sa bouche. Et crois-moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'essayais de me mettre dans ta chaussure quand tu la prendras. Je suis vraiment bête. Je l'ai constaté depuis. Et j'ai essayé d'en parler avec Roger. Il m'a pourtant rassuré qu'il n'y avait rien entre eux. Écoute. Écoute, si je peux te donner un conseil d'ami, n'en parle pas avec ton fiancé. Fais comme si tu n'étais au courant de rien, vu que c'est toi qui l'as choisi. Tu sais, Rosine, c'est vraiment difficile pour moi en ce moment de faire semblant. Surtout que j'ai des problèmes avec ma belle-sœur. You lost another one.